Coucou ma chatte femme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis tellement contente de revenir un petit peu. Je vous avoue que ces 3 mois, ouais, juin, juillet, août, ça a été vraiment voilà, les vacances. J'ai eu énormément de monde à la maison. Donc du coup, j'ai profité de tout le monde. Voilà, je me suis occupée de mes convives, de mes invités. C'était exclusivement de la famille. Donc franchement, on s'est éclaté. Voilà, en plus, il y a eu la fête de l'Aïd. Voilà, franchement, énormément de choses. Donc voilà. Donc là, il reste plus que ma belle-maman qui part bientôt. Donc du coup, là, comme je l'ai emmenée chez ma mère, je me suis dit que j'allais filmer un petit peu. Je ne sais pas si... Si vous êtes comme moi, j'aime pas filmer quand il y a du monde, etc. Je suis toujours aussi réservée, aussi timide. Hein. C'est incroyable. Mais là, seule devant ma caméra, ça me dérange pas. Donc du coup, j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai énormément de choses à vous montrer. Franchement, je suis perdue. Je sais pas par où commencer et tout. Donc voilà, on commence le vlog. Je ne sais pas si on le commence, on le termine. C'est la moitié, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ne m'en voulez pas si je vous montre pas mal de petites choses. Voilà, j'ai des marques qui me font confiance. Et je veux pas non plus les décevoir dans le sens où non, je suis pas payée, je m'en fiche. Mais voilà, pour moi, c'est être honnête. Quand on m'envoie un truc, ben, faut que je le présente, même si des fois j'ai pas le temps de les tester, ou il faut que je les présente parce que voilà, la marque a eu la gentillesse de me les envoyer, et moi, il faut que j'ai cette politesse, voilà, d'en parler tout simplement. Voilà, donc là, je viens de vous tourner une petite IGTV, unboxing. C'est pas que de la musique, donc je vous parle, je crash teste aussi deux marques, donc la marque Covermark. Voilà, ils m'ont envoyé un arsenal de produits. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait partie, c'est une marque qui fait partie des laboratoires Moulin Royal Cosmetics. Donc j'ai reçu pas mal de petites choses. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est côté make-up. Et j'ai reçu la marque IFAC aussi. Beaucoup de soins de la marque IFAC. De toute façon, je vous montre tout, je vous détaille tout dans l'IGTV, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, vous avez donc dans ce réseau, dans ce laboratoire, vous avez la marque Covermark, Neostrata, IFAC, Alafast 5, Active Mask et Photocare. Tout ce qui est soin, c'est plutôt ciblé, ça cible l'acné de l'adulte. Donc je pense que ça peut en intéresser pas mal. Voilà, parce que moi j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune, j'ai eu de l'acné juvénile, mais mon Dieu merci, je n'en ai plus, j'ai réussi à m'en débarrasser et je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Voilà, ensuite j'aimerais bien vous filmer un haul mode, un haul je dirais fin de l'été, début de la rentrée, voilà, rentrée. Mais là ça va être un petit peu compliqué. Parce que je ne sais pas si vous entendez Nassim. En fait, j'ai Amine et Nassim avec moi. Amine commence à apprendre, voilà, à jouer, à prendre soin de son petit frère. C'était pas évident. Il est toujours aussi jaloux. Il m'en veut toujours, en fait, de m'occuper énormément de lui. Il se sent un petit peu délaissé, donc c'est normal, hein. Mais j'avoue que Amine était un bébé facile, très facile, comparé à Nassim, qui est un bébé difficile dans le sens où il est très demandeur des bras, il est très demandeur d'attention. Après, je m'inquiète pas pour lui dans le futur. Hein. Je sais que ça sera un enfant indépendant, etc. Mais il est très collé à moi, il est très très demandeur, donc c'est un petit peu compliqué. Il dort très peu. À ce que j'ai entendu, ben, les bébés mettent en place en fait le schéma de l'adulte. Et moi, j'avoue que je suis une insomniaque, donc je dors très peu. Je peux dormir 3 heures, 5 heures, voilà. Et des fois, dormir 8 heures, 10 heures, hein, mais c'est très rare. Voilà, mais j'avoue qu'avec Amine, en plus, c'est très compliqué. Mais voilà, on fait notre possible. On n'est pas des mamans parfaites, mais moi, je sais que je fais mon maximum. Je sais que voilà, les tâches ménagères, je les relègue au deuxième plan parce que mon bébé, c'est ma priorité. Et je fais ça même des fois la nuit. J'aime bien passer un coup de balai. Par exemple, le soir, je vais d'abord le coucher et ensuite aller faire ma petite vaisselle. Voilà, ranger s'il y a quelque chose dans le lave-vaisselle. Passer un coup partout sur la cuisine, sur la hotte. Passer un coup de balai.
Passer même un coup de serpillière dans la cuisine, ça j'aime bien le faire le soir, comme ça au moins le matin, je sais que quand je me lève, c'est propre et que j'ai pas à me taper tout ça. Voilà, et l'évier vide surtout, l'évier vide. Avant quand j'avais pas d'enfance, ça me dérangeait pas, mais alors maintenant, je ne supporte pas. Voilà, vous l'entendez là. Je vais aller le chercher. Chercher le baby qui est plus bronzé que moi. Ça va mon amour? Et voilà, là il est content. T'es content là? Ma beauté d'amour que... Regardez qui est venu. C'est moi. Qui est venu? Mamine. Amine? Maman? Oui. Pourquoi t'as mis Narcine comme ça? Tu veux qu'il tombe? Non, c'est parce que je veux pas qu'il touche l'appareil. Mais je le tiens. Ça va? Tu veux pas aller regarder la télé? Ben non, je m'ennuie tout seul. Tu t'ennuies tout seul, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Voilà pourquoi je suis très peu présente. Parce que mes bébés, voilà, c'est ma priorité. Mmh. Et ils me cherchent, ils me demandent beaucoup. Hein, n'est-ce pas mon chat? Oui. Oui, t'approches pas trop. Faut pas qu'on voie ton visage, mon bébé. Je veux pas qu'on voie ton visage en vidéo. Ah, non. Il a envie de vomir. Non, non, il a juste fait un rototo. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vrai que je me suis coupée des réseaux par rapport à la famille qui est venue nous rendre visite et puis par rapport aussi aux enfants, j'avoue que depuis que j'en ai deux, je ne m'en sors absolument pas. Je ne sais pas comment maman, font les autres. Maman, elle est très belle. C'est vrai mon amour? Oui, je l'adore. Merci, c'est très gentil. C'est celle que tu auras reçue la dernière fois. Oui. Tati Malika, là, les mêmes. Oui, c'est moi qui lui ai donné, je lui ai donné la noire. Parce que je l'ai commandée en trois coloris. Ah, j'ai gardé la verte. Elle est belle en verte. Ouais, la verte. Ouais. Et la rouge, celui-là. Oui, aussi. Oui, je crois, oui. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Là, je vais vous faire à manger. Je vais leur faire à manger. Comme ça, ils vont manger. Et j'aimerais vraiment beaucoup filmer le hall action, le hall mode. Et vous parler ici sur YouTube d'un produit miraculeux niveau pied. Dont je vous ai déjà parlé, me semble-t-il, au mois de mars, pendant le confinement, je crois. Et qui c'est un produit miracle pour les pieds. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais je vous ferai une vidéo. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc, ça fait un petit moment que j'ai reçu ces produits-là. Celui-ci, j'ai commencé à l'utiliser. Cela, pas encore. Voilà, mais je voulais vous en parler d'abord. Et ensuite, on teste et je vous en parle pour ces deux-là, tout du moins. Donc, c'est des nouveautés. C'est que de la marque Nivea. Et là, c'est la gamme Nivea Sun. Donc ici nous avons la protection, comme chaque été, je vous bombarde avec les protections solaires, super important. Je pense que franchement on ne se rend pas compte des dommages causés par le soleil tout simplement. Et autour de moi je n'arrête pas de mettre en garde à chaque fois contre le soleil. Et il faut vraiment s'enlever de la tête qu'à partir du moment où on met une protection, on ne bronze pas. Ça c'est archi faux, mais vraiment archi faux. Moi, je mets des protections 50 et je bronze quand même, mais tout en étant protégée. Voilà, donc une protection solaire, ça sert à protéger surtout des rayons nocifs. C'est tout, ça n'empêche pas de bronzer. Donc voilà pour mon petit speech, Nivea Sun, Protect and Dry Touch, non gras, absorption immédiate, ça c'est super important, voilà, parce qu'on n'a pas envie de rester 1000 ans à se tartiner. Résistant à l'eau, donc moi j'ai ma petite piscine là-bas, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Hop. Je vais en appliquer un petit peu sur la main. Voilà, alors c'est comment? Ça sent super bon, c'est très agréable et ça pénètre super vite. Donc du coup, je peux pas vous montrer l'application, mais voilà, je viens d'appliquer et c'est très rapide. Il n'y a pas d'effet gras, d'effet collant, donc nickel. Et ça, c'est un baume après soleil pour moi. Pour moi, c'est une obligation. C'est vrai que pas toutes les marques en parlent, mais c'est obligatoire en fait. Tu as ta peau qui a cramé au soleil, tu ne peux pas te laver et la laisser telle qu'elle. Obligatoirement, tu appliques un petit baume après soleil. Donc par exemple, celui-ci, 48 heures d'hydratation, rafraîchit et régénère. Soulage immédiatement la peau agressée par le soleil. Et là, c'est à l'aloe vera, donc riche en vitamine E. Hop, et est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Donc c'est ça, acide hyaluronique. Donc c'est de l'aloe vera bio et acide hyaluronique plus vitamine E. Et j'adore l'aloe vera. Et l'acide hyaluronique, ça permet de réparer en fait. Hop, je vous montre. Voilà.
Ça sent super bon. Mais c'est beaucoup plus frais et beaucoup plus léger en termes d'odeur que la crème solaire. Voilà. Et ensuite, celui-ci que j'ai déjà commencé à appliquer, vu que je suis blanche comme, comme un cachet d'aspirine, surtout au niveau des jambes. Moi, j'ai un souci au niveau des jambes. J'ai du mal à bronzer. Voilà. Donc, nouveau. 10 jours peau sublimée. C'est un déhydratant fermeté plus allée. Donc, ça, c'est nickel. Le Q10, bronzage progressif et hydratation pour peau claire à médium. Je pense que vous avez médium à foncer, je ne vais pas m'avancer et dire de bêtises. En tout cas, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, appliquez généreusement et uniformément sur votre peau. Attendez que le produit soit complètement absorbé pour vous habiller. Lavez-vous les mains après application. Oui, obligatoirement parce que vous avez, c'est collant en fait à la fin et c'est vraiment très désagréable. Et ils promettent en fait un effet aller au bout de 10 jours. Donc là, j'ai commencé avant-hier. Donc on verra si dans 10 jours, enfin un petit peu moins, dans 8 jours, si ça marche réellement. J'ai pris une photo avant. Par contre, j'ai les pieds, comment vous dire, j'ai les pieds, les pauvres, ils ont été attaqués par les moustiques. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, ce n'est pas des moustiques, c'est vraiment des... Regardez. Oh, atroce. Donc vous voyez comme je suis blanche. Je suis blanche comme un... Un cachet d'aspirine pour pas dire autre chose. Donc là aujourd'hui je vais m'en appliquer et voilà. Donc par contre ça met du temps à pénétrer dans la peau, mais après franchement ça hydrate super bien. Donc si vous avez des astuces pour faire disparaître ces boutons, et c'est vraiment des boutons de moustiques, hein. J'ai vraiment été piquée par les moustiques, sauf que je comprends pas, les moustiques cette année sont hyper agressifs. Je sais pas si c'est en lien avec le Covid, franchement, mais c'est abusé. Abusé. En plus, j'arrête pas de gratter, même 4-5 jours après, ça me gratte. Voilà, donc là, ça a bien pénétré. Hop. Donc, on continue et on verra si j'aurai les petites gambettes bronzées. Un petit peu bronzées, disons. Parce que là, moi, je supporte pas trop le soleil. Donc, voilà. Sinon, ça sent super bon. C'est agréable. Ça colle pas là, en fait, sur la jambe. On peut de suite s'habiller. Juste un petit effet sticky, en fait, sur les mains. Mais voilà, quoi. Tu te laves les mains et puis c'est bon. Donc voilà, je vous tiens au jus du coup pour ce lait. Et si tu as déjà testé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Hello, hello. Donc je voulais vous montrer où on en est au niveau du mur de la clôture. Donc je vous avais montré vite fait sur Insta. Donc comme vous pouvez voir, c'était à ce niveau-là. Les anciennes propriétaires avaient arrêté à ce niveau-là. Et nous, on a monté, je crois qu'on a monté jusqu'à... On est monté jusqu'à 1,80 m. Voilà, et la limite c'est 2 mètres. Ensuite, vous êtes obligé de déposer un dossier en mairie. Voilà, sinon, on a déposé le dossier pour deux projets. Un pour la piscine qui sera de l'autre côté en fait, là-bas. Et le projet aussi de changer le portail et de le mettre en fait de ce côté-là. C'est pour ça qu'on n'a pas continué le mur. Parce que là, on passe par chez le voisin, en fait, pour pouvoir rentrer chez nous. Et je comprends pas pourquoi c'est resté comme ça. Du coup, là, on voudrait passer sur notre terrain pour pouvoir accéder à la maison, ce qui est plus logique. Voilà. D'où le fait qu'on a arrêté à ce niveau-là le mur. Et du coup, après, je pense qu'on va aussi repeindre le portail. Et on va aussi le brancher pour qu'il soit électrique. Parce que là, il y a tout. Il y a l'arrivée, là, vous voyez, des fils. Mais malheureusement, il est manuel pour le moment. Donc voilà, on avance tout doucement mais sûrement. Et après, bien évidemment, ça ne va pas rester comme ça. Ici, je crois que c'est les joints de dilatation, à ce que j'ai compris, si je ne dis pas de bêtises, pour pas que ça travaille et que ça éclate. Et en fait, il faut mettre des planches et ensuite, il faut remplir. J'ai oublié le terme exact. Voilà, et ensuite, bien évidemment, on va aussi mettre, je ne sais pas si c'est du crépi ou quelque chose pour cacher ça et que ça soit uniforme. Donc voilà, après je sais pas de quelle couleur on va faire ça, peut-être de la même couleur que la façade de la maison, je pense, pour que ça soit joli, visuellement parlant. Donc voilà pour ça, petit à petit. Voilà, et on va pouvoir aussi mettre des arbres. Et là, je sais pas si je vous avais montré, mais mon mari il a la lubie des oliviers, donc il en a planté plein tout le long. Il les a séparés de 2 mètres, mais je crois qu'il aurait dû les séparer d'un peu plus. Moi, j'aurais même dit 3 mètres.
Je voulais vous montrer les deux produits que j'ai reçus de la part de Galinée. Je vous avais déjà montré une, me semble-t-il, une eau micellaire. Voilà, c'est des produits en fait à base de prébiotiques et de probiotiques. Et il y a pas mal de choses en moins à l'intérieur. Donc je crois qu'il n'y a pas de silicone, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est Made in France. Et j'ai reçu la crème lavante apaisante cuir chevelu sensible, qui fait 200 ml, et enfin le sérum cuir chevelu et cheveux apaisant et protecteur. Et en fait, moi, comme j'ai fait le lissage, je vais pas pouvoir les utiliser, mais du coup mon mari, comme il a une dermatite séborréique, je vous mets une photo, ben on va les tester sur lui parce qu'il en a plus besoin que moi. Donc voilà, je vous dirai ben les résultats, si ça va mieux au niveau de son cuir chevelu ou pas, et au niveau de ses cheveux. Coucou, donc je viens de recevoir un superbe colis de la part de YesStyle. Merci, merci beaucoup. En plus, je vous avais dit dans la vidéo, la première vidéo que je vous avais fait du site, je vous avais dit que j'avais trop envie de tester du make-up. Donc j'ai passé commande, je l'attends. Et je vous avais dit aussi que j'avais trop envie de tester leur, leur soin. Et regardez-moi tout ce qu'ils m'ont envoyé. Truc de dingue. Voilà, donc il y a plein de marques que je vais pouvoir tester. Celle-ci, je pense que c'est celle-ci. Cosrx, celle-là j'en avais déjà entendu parler. Rovectine également. Nous avons Secret Key. Claire's, mais avec un K. Secret Key également, Wish Trend. Et là, j'ai carrément eu ça dans un petit papier cadeau comme ça, trop mignon, de la marque Daymelo, que je connais absolument pas. Et là, on a carrément une routine avec plein de produits. Et c'est fait à base de plantes. Donc voilà, vraiment très très hâte. J'ai vraiment hâte de tester tout ça et de vous en faire un retour. Voilà. Je viens de finir de tout ranger. J'ai enfin filmé le haul mode, tant bien que mal. En fait, les deux sont partis à la sieste et ils ont dormi. C'est parce que ce que ça va donner, parce que je suis jamais satisfaite ni du rendu ni de la luminosité. Je sais pas ce qui se passe à chaque fois. Enfin bref, donc j'espère que ça ira. Voilà, voilà. Ben là, j'ai juste une envie, c'est juste de me démaquiller. J'ai l'impression, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que j'ai l'impression d'avoir une enclume sur chaque œil, vraiment trop bizarre le truc. Bon, je suis éclatée, j'ai une migraine à cause de la chaleur, les essayages, enfin bref. Franchement, j'espère vraiment que ça va bien donner, comme ça je monte et je vous mets ça quoi. Voilà, sinon, merci pour tous vos retours sur Insta. Oui bébé, j'ai publié la photo de la bibliothèque et franchement, vous êtes nombreuses à avoir craqué. Elle est vraiment super belle et coûte pas cher du tout. Moi, je l'ai eu à 49 € sans les frais d'envoi, je crois. Elle est vraiment super jolie. C'est de la qualité et moi, je l'ai commandée chez Amazon. Elle est disponible chez Cdiscount aussi et sur le site de Vasaglay Fourniture. Voilà. En tout cas, c'est pas la première fois que j'ai acheté. Je crois que j'ai presque tout acheté chez eux, là. J'ai acheté la bibliothèque, la console, une étagère. J'ai pris aussi le vestiaire. J'ai pris le banc. Franchement, ils ont tout, les meubles, à chaussures. Franchement, tu cherches ton bonheur, tu trouves quoi. En plus, comme moi, je suis dans le style industriel, donc franchement, nickel. Donc, voilà, c'est tout. Ben, je vous dis à plus tard. Coucou, ma chat fame, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, aujourd'hui, je suis sortie un petit peu. Sauf que, on va au parc et il y a des tables de ping-pong. Du coup, je suis passée à Decathlon pour prendre des raquettes et une balle, du coup. Voilà, parce que j'avais pas. Ensuite, j'ai aussi fait un tour à Action. Je vous montrerai ben, les nouveautés et ce que j'ai pris. Mon Dieu, il fait chaud avec le masque. En plus, j'ai la casquette. Je suis en mode sport activé. Donc voilà, allez, on y va. C'est parti. Et franchement, cette zone-là, Saint-André-de-Cubzac, c'est la première fois que je viens. C'est énorme, tous les magasins qu'il y a. Donc, obligé, il faut que je revienne. Ah, voilà, ma voiture est là. À toute. Allez, encore. Hello,
à toutes, j'espère que ça va. Donc, je voulais vous montrer une autre partie, je dirais, travaux rénovation. Donc, du coup, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, ce n'était pas une porte vitrée. Donc, c'était une porte de garage qui se fermait à clé. Du coup, nous, on a voulu une porte vitrée pour faire entrer de la lumière. Par contre, elle n'avait pas de volet en bois. Donc, j'étais pas tranquille. Donc là, on en a acheté une chez Leroy Merlin. Je crois qu'elle fait 100 euros. Par contre, la grosse blague, ils l'ont vendue sans les gonds. Donc, du coup, mon mari a été obligé d'aller acheter des gonds pour pouvoir la faire tenir. Voilà, on a déjà prédécoupé à la bonne taille, je dirais. Donc, voilà les gonds. Et ensuite, on va la peindre de la même couleur que la porte d'entrée. Donc pour celles qui vont me demander d'avance, donc c'est la Luxens bois et c'est la couleur vert Provence en fini satiné. Et je vous montre, voilà. On a vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur. Bon, voilà. Donc c'est à peu près, je pense que c'est à peu près la même que la porte d'entrée. Et on va aussi, et même si c'est pas de la même couleur, on refera une couche. On va laver d'abord avec du savon. On va poncer un petit peu et ensuite on fera une couche, voire deux si besoin. Et la porte, si c'est pas pareil, ben on fera pareil également. Voilà. Et ensuite, je sais pas si je vous ai montré le rendu de la bibliothèque. Ça rend super bien. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc c'est de la marque Vasaglé. Je crois que c'est le cinquième. Ouais, c'est le cinquième meuble que j'ai de chez eux. J'aime trop, trop, trop. Voilà, donc on a revu le salon. On a réorganisé le salon. Je vous montrerai, si vous voulez, dans une prochaine, la prochaine fois. Et du coup, j'aime beaucoup. Et sur Insta, vous avez été beaucoup, vous avez été quelques-unes à craquer. Mais franchement, là, ça donne super bien. J'ai rangé pratiquement tous mes livres. Bon, j'ai fait un tri aussi. Et j'ai essayé aussi de compartimenter, de ranger par exemple, ici, c'est tout ce qui est... lecture, développement personnel par ici. Ici, c'est tout ce qui est photo. Voilà, donc ici, par exemple, on a tous les petits livrets La Lalab que je m'amuse à sortir pour Amine. C'est les mini-books. Et j'aime vraiment beaucoup. Le dernier en date, c'est celui-ci pour sa baby shower. Et je lui sors pour chaque année de son anniversaire. Donc ici, vous avez les 1 an. Ici, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Là, c'était à Walt Disney. C'est 4 ans et c'est 5 ans. Voilà. Et pour Nassim, j'avais sorti celui-ci. Trop beau. Voilà, en cartonné. Super joli. Mais ceux-là, franchement, ils sont super. J'aime. Ceux-là, ils sont super. Ils sont trop, trop bien. Donc, voilà pour ça. Et en même temps, je ne sais pas si je vous avais dit, mais... je me suis amusée aussi à ressortir, à ressortir tous mes clichés. J'ai changé d'iPhone. Et pour ne pas saturer la mémoire, comme c'est mon outil de travail, ben je m'amuse à chaque fois à sortir des petites boxes comme ça. J'en avais sorti deux. Celle-ci, c'est des classiques, les classic box. Voilà, et celle-ci, je crois que c'est les Summer. C'est les dernières en date. Donc là, il y a 100... Vous pouvez choisir. Hein. Là, moi, je sais que j'avais les deux. Il y a 100 photos chacune. Dans les box, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous en montrer une? Donc celle-ci, c'est vraiment, c'est plutôt, voilà. Celle-ci, c'est plutôt le. Celle-ci, c'est Nassim en fait depuis sa naissance jusqu'à ses 1 mois. Voilà, comme ça au moins je ne les perds pas. Je les mets aussi sur mon disque dur, mais j'ai trop peur en fait de les perdre. Ensuite ici. C'était du coup, ah oui, les mariages ainsi que l'été 2019, voilà. Par exemple. Donc, je vous les avais déjà montré celle-là et aujourd'hui, j'ai fait celle-ci. Par contre, j'ai pas noté encore les photos, mais en fait, c'est mes enfants tout simplement. Mes babies, c'est toutes les photos que j'ai faites durant cet été 2020. Donc, voilà. Avec mon fils, sa première piscine, la fête de l'Aïd, Amine chez le coiffeur. Amine, et j'en ai sorti beaucoup de Amine et son frère en fait. Voilà. Et je vous mets un petit code si ça vous intéresse, donc Shadman Beauty, pour avoir moins 5 euros sur votre commande. Donc voilà, franchement, moi j'aime trop et je vais faire que ça à chaque fois. Là, j'en ai plein encore des photos, donc je vais en sortir. Par contre, celle-ci.
Je pense que vous avez remarqué, il n'y a que 50 clichés. Et là, c'est 100 photos. Et celle-ci, c'est 50. Mais après, vous choisissez le nombre de photos que vous voulez faire sortir. Donc voilà pour ces petites boîtes. J'aime beaucoup, beaucoup. Et coucou la chatte famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous montrer l'avancée des travaux, je dirais. Donc, je vous montre de l'extérieur, du coup, la porte. Celle-ci n'y était pas, comme je vous disais. C'était celle-ci là-bas qui était, vous voyez. Voilà, celle-là, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. Peut-être qu'on va la vendre, je ne sais pas, ou la donner. Donc du coup, on avait interchangé avec celle-ci parce qu'on voulait absolument apporter de la luminosité en plus. Elle est sale, faites pas attention parce qu'il a percé et tout. Donc je nettoierai quand il aura terminé. Bon, voilà, et du coup, il nous manquait le volet en bois. Parce que moi, laisser ça comme ça et partir en vacances, ça me fait un petit peu peur. Du coup, on en a acheté. Je vous l'avais montré, c'est celle-ci. On l'a acheté chez Leroy Merlin. Donc, mon mari a réussi à mettre les gonds. Bon, il faut la perceuse. Hein. Et il faut aussi un produit chimique. Sinon, ça ne tient pas. Donc là, ça ne bouge pas. Voilà. Et du coup, il a fait une couche hier. Et c'est pas mal. Hein. J'aime bien le rendu. Bien sûr, il lui manquait les petits pinceaux que je lui ai achetés chez Lidl hier. Pour pouvoir faire les interstices, là. Voilà, que ça soit nickel. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal. Hein. Je vais vous montrer les petits pinceaux que j'ai pris chez Lidl. Et voilà, c'est ceux-là. Je crois qu'ils étaient à 4 euros et quelques. Et il y en a 5 quand même à l'intérieur. Bon, voilà, garantie 3 ans, 5 pièces. Voilà, il voulait que le petit, mais du coup, il n'aura plus d'excuses. Hop, donc voilà pour ça. Ça sent trop bon, c'est lui qui sent bon comme ça. Ça, c'est un citronnier que j'ai acheté pour mon mari, parce qu'il adore ça. Il adore les citrons. Il se shoote au citron et du coup, les fleurs ont éclos. Et vous voyez à l'intérieur, là, le petit jaune, c'est le citron, le futur citron. C'est trop mignon. Bon, il y en a qui n'ont pas éclos, mais dans l'ensemble, tout est ouvert. Et ça sent super bon. Par contre, ça ne supporte pas l'hiver, ce genre d'arbre. Donc, on le rentrera. Je pense qu'on le mettra dans le cellier. Coucou les chats! Il est là, notre petit tigrou. Voilà, ça sent super bon. Et on aimerait bien un figuier aussi. Dites-moi ce que vous avez comme arbre fruitier. Donnez-moi des idées. Parce que là, j'ai que les oliviers, il y a les lauriers là-bas. C'est de la déco. Et puis c'est tout. Un dernier petit point. On s'est attaqué à la bordure de la terrasse parce qu'on en avait marre. Amine rentrait tout le temps à vélo et en quad sur la terrasse et à chaque fois il nous faisait bouger les pierres. Donc en plus les pierres c'est cher mais en plus c'est galère et ça reste jamais en place. Du coup là il nous reste plus que ce côté là de la bordure. C'est joli, j'aime bien. Ça fait un petit côté stylé et il nous reste ce côté de la bordure aussi. Hey, petit chat, pss, 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 pss. Tu viens me voir? Pss, 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 pss. Tigrou. Allez, viens, viens. Ils sont. J'ai jamais vu des chats aussi sauvages de ma vie. Allez, viens. Psst, 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 psst. Franchement, ils ont trop peur. Et ça, c'est sa mère. Allez, viens. Psst, 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 psst. Tu veux des croquettes? Oui. Allez, viens, je te donne des croquettes. Allez, viens. Moi, j'adore les chats. J'en ai toujours eu quand j'étais petite. Mais vraiment, je les kiffe. Mon mari aime moins. Mais mon fils, Amélie, il les adore. Allez, viens. Psst, 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 psst. Je vais te chercher des croquettes. Je vais aller lui prendre des croquettes et je reviens. Les fournitures que j'ai faites à Amine, je crois que je les ai faites il y a 2 semaines. Ça fait un moment. Donc je suis trop contente parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais chez Action. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont de tout et en plus, ça coûte pas cher du tout. Juste, j'ai pas trouvé le classeur à 4 machins là, à 4 anneaux que j'ai pris chez Casino pour 2 euros, je crois. Mais sinon, tout le reste vient de chez Action. On s'est posé la question avec mon mari, voilà, donc mon fils voulait absolument ce cartable là, sa grand-mère lui a acheté celui-ci, sauf que j'ai l'impression que c'est petit pour le CP, donc je sais pas, on verra avec la maîtresse si ça suffit ou pas, si c'est suffisant, si c'est pas suffisant, on lui prendrait un cartable carré, mais là pour le moment il a tellement de sacs, du coup je sais pas, franchement c'est vrai que j'avais pas tilté avant, sinon de toute façon celui-ci il le voulait absolument sur Amazon. Ça va, il est moyen, hein, mais je le voyais un petit peu plus grand que ça quand même. Donc, je vous montre vite fait. En même temps, j'ai Nassim dans les bras, hein, donc je fais comme je peux. Donc, elle voulait absolument
un classeur, j'aurais bien aimé noir ou bleu marine, mais bon, c'est pas grave. On va pas faire un pataquès, c'est juste un classeur, je pense qu'il gardera là-bas. Une pochette à rabat, toute simple. J'ai pris des crayons avec ces petites gommes là, je sais pas quoi, qui agrippent. Ces petites gommes qui vont l'aider à bien agripper le crayon. Enfin, je crois, hein, si c'est pas pour effacer. Si pour effacer, c'est en bas. Là. Nassim, arrête de bouger, je suis en train de filmer, mon amour. Là, tu vas me faire tomber. Assieds-toi. Voilà. Hop, désolée pour celles qui ont le mal de mer. Un petit agenda parce que vous ne voulez pas de cahier de texte. Donc, un petit agenda. Une ardoise, donc il en avait une, mais j'ai préféré lui en reprendre une avec un feutre. Au moins, elle est toute neuve. Oui, maman. Tu veux juste rester dans les bras. Je lui ai pris des fluos. Et bébé, je lui ai pris des stylos. Par contre, il manque le vert, mais bon. C'est fait, je sais pas ce qu'il va faire du vert. Encore des feutres pour l'ardoise. Des feutres effaçables. Des crayons. Elle est bien cette marque, Staedtler. Des crayons à papier, donc HB. Hein. Mais pas en art plastique. Un taille-crayon avec le contenant. Il lui fallait, je crois, 5 ou 6 colles. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais c'est énorme. Hein. Bon, après, je peux comprendre. Et enfin, une règle. Je lui ai aussi pris une trousse et un stylo 4 couleurs qui s'est empressé de prendre, voilà, parce qu'il les voulait absolument. C'est une trousse pas de patrouille. En ce moment, il me saoule entre pyjamas et pas de patrouille et il oscille entre les deux. Donc, il a ses préférences à chaque fois. Et la maîtresse a demandé, du coup, une boîte à chaussures pour pouvoir, je pense, arranger le surplus avec le prénom de l'enfant. Donc, écoutez, moi, j'en avais pas parce que je les jette toujours. Et mon mari, vu qu'il s'est acheté une paire de Lacoste, je lui ai dit de me la laisser pour aller. Donc, voilà pour le petit tour des fournitures. C'est pas énorme, mais j'ai envie de dire pour un CP, voilà. Voilà, c'est pas. Dites-moi si vous aussi, votre enfant rentre au CP, est-ce que vous avez eu plus ou moins niveau fourniture? Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Waouh, mon amour! Ouhou, super!